Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit package, une petite boîte en fait, qui contient normalement 4 articles d'avoir vu le label de shipping dessus, qui sont des articles qui proviennent en fait du Black Friday, qui proviennent de Chip Theory Game en fait, qui ouvrent leur certains articles promotionnels uniquement lors de la période du Black Friday. Et en fait, ils l'ont ouvert non pas uniquement la journée du Black Friday, mais ils ont étiré aussi cette vente-là jusqu'à la fin décembre, si je ne me trompe pas. Donc, ça a donné quand même un bon mois pour les utilisateurs, en fait, ou les possesseurs de jeux de Chip Theory Game, notamment Oplomachus, Too Many Bones, Cloud Spire, de pouvoir se procurer les packs promo. Désolé, j'ai... De se procurer des packs promotionnels, en fait, qui sont des jetons, des unités supplémentaires. Il y en a que ça sert absolument à rien, il y en a que c'est juste du visuel. Il y en a d'autres que c'est réellement du gameplay qui est fourni, mais aussi d'avoir accès au Gearlock Child, qui était initialement un poisson d'avril, un April Fool's. Et finalement, ils ont fait réellement un Baby Gearlock. Donc, c'est pas un Baby Gilly, c'est le Gearlock Child en réalité. Et donc, j'ai ça dans cette petite boîte-là. Donc, ce que ça contient, c'est des chips promotionnels ici. Donc, qu'on va voir plus tard. Par la suite, j'ai un promo pack ici avec l'année 2018 dessus qui contient 5 trucs. Donc, en fait, il y a 6 chips pour Too Many Bones, Undertow et Oplomachus. Donc, pour moi, je n'ai pas Oplomachus. Donc, il y a une première enveloppe comme ça. Il y a une deuxième enveloppe qui est pour les packs promotionnels 2019. On voit quand même un peu dessus. Alors on va ouvrir ça lorsque j'aurai reçu mon Too Many Bones. Donc, on voit un peu, ici, c'est juste ces deux-là, même ces deux-là aussi. Ce sont 6 jetons supplémentaires pour une image alternative, en fait, pour ces personnages-là dans Too Many Bones. Il y a ici un jeton supplémentaire d'ennemi, mais il y a ici un jeton pour Oplomachus que je ne pourrais pas utiliser. Donc, on a ça. Par la suite, dans les autres promo packs, nous avons ici une unité pour Cloud Spire. Nous avons ici, je sais pas trop exactement qu'est-ce que c'est, je vois mal. Alors, c'est juste un jeton pile ou face. Donc, on a ça. On a 2 jetons alternatifs aussi pour des personnages de Too Many Bones. Et on a 3 ennemis donc qui sont disponibles aussi. Et on a le pack 2020. En fait, donc encore une fois, quelques jetons. Il y a les ennemis qui étaient uniquement en chinois, en fait. Là, je dis probablement mandarin pour la langue. Mais il y avait les jetons lorsqu'ils ont fait leur campagne pour la version, je vais dire chinoise, là, mais pour le langage. Donc, désolé si j'offusque des gens avec ce commentaire-là, en fait. Il y avait les jetons qui avaient été, eux avaient eu en pack promotionnel et ils les ont retraduits donc pour la version anglaise. Donc tout simplement, il y a ça avec encore une fois un jeton alternatif, 2 nouveaux ennemis, 3 nouveaux ennemis je vais finir par le dire, pour Too Many Bones et 2 pour Cloud Spire. Donc rien pour Oplomachus dans celui-ci. Et nous avons le dernier article qui est le Gearlock Child. Donc comme prévu. Donc ça, qu'est-ce que ça contient? On le voit pas nécessairement, mais ça contient un character mat. Donc pour y a un personnage qui est inclus avec quelques dés. Un setup card pour savoir comment ça fonctionne. Il y a un encounter card supplémentaire et il y a 5 loot cards. Donc c'est pas juste une petite affaire de plus. Il y a quand même un petit peu plus de contenu. Donc c'est quand même assez intéressant que ça ait été ajouté. Et c'est tout pour cette boîte-ci. Donc petit promo pack, donc 2020, 2019 et 2018. Donc ils ont commencé à faire ça depuis quelques années déjà. Donc au moins j'aurai déjà ça de prix. Ici je ne sais pas exactement ce que c'est les packs promotionnels CTG promo 003. Il y a l'air d'avoir 3 jetons pour Too Many Bones à l'intérieur. Donc on verra bien ça éventuellement.
ça va être quoi, du moins ce sont des bons jetons, ça va être quoi donc lors du déballage de mon full pledge de Too Many Bones. Et on a le Gearlock Child qu'on va aussi ouvrir à ce moment-là. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.